Oh, je me casse. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bonjour tout le monde, on se retrouve sur l'épisode 18 de The Last of Us. Alors, est-ce qu'on va se faire bouffer ou pas? Eh ben, vous avez qu'à regarder. Non! C'est pas des lucioles, ça. C'est qui, c'est-tu? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Oh, la réaction. Je fais quoi? Cocktail molotov. Bah je voulais être sûr. Non mais j'ai vraiment adoré ton... Je fais quoi? Ok. Putain mais ouais j'ai mis ma pêche hein. J'utilise trop tes balles mec. J'utilise trop de balles. J'en fais des trous de balles. Oh putain d'arme. Ça va. Ah, il a besoin de 3 coups de fusil à pompe, ça va pas tout. Je trouve les taches de sang très mal faites, elles sont rondes. Et là, c'est ce qui fait mal. Il s'est pris pour Lara Croft dans Tomb Raider. Ou c'est Tomb Raider qui s'est pris pour Lara Croft. Là ça compte pas alors, c'est ça? Ouais. Je veux plus que tu me tires. Tout. Ok. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh. Monte sur ce putain de cheval. Ça fait trop mal. Allons-y. Content là qu'elle ait une arme. Joël, tu vas bien? Tu vas bien? Non. La question! Non, ça va. Non, ça va. Tu gères la fenêtre? Ouais. Ok. Oh putain, forcé à ce moment-là. Oh, je... Ça fait mal. Surtout que c'était gros quand même. Il est vraiment en train de se vider de son sang là. Il tombait raide. Je vais bien. Ta gueule. Tu vas pas bien. Ça va pas, non? Allez, viens. Oh, le sang qu'il a mis. Et tu vois, c'est tout trouble. Dépêche-toi. C'est bizarre, c'est tout trouble. Dépêche-toi, comment elle parle? Il y a personne. Dépêche. Bon, après, elle comprend peut-être pas ce que c'est. Tu t'en sors bien. Continue. Non, c'est pas comme la lampe. Merde. Non. Tiens-toi à moi. Non.
Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde! Elle aime pas qu'il fasse son gros dur, en fait. Allez! Hein? Mmh. C'est, il a dit, tu peux marcher? Oui. Ouais. Alors marche! Encore un peu, allez! Tu peux pas marcher, tu le dis et on se débrouille. Hey. Hey. Joël! Derrière toi! Quoi? Allez! GG. Oh, pas faire chier, la gamine. Allez, lève-toi. Mets ton bras sur moi. Allez, on y va. Je te jure. Jamais je te sors de là. Tu me donneras une chanson. Je rêve. Zambé. Zambé. Tu vas bien en fait. De quoi? Zambé. Zambé. C'est zombie. Ah, je sais pas. Voilà. Et tu vois pourquoi tu as pas donné un pistolet avant quoi? Alors tu s'entraînais. Bon oui non, moi je dis ça parce que elle s'en sort déjà très bien. Tu peux monter? Ah. Être à cheval avec ça. Ah, ça doit faire mal. Oh putain, bah, normalement, la douleur doit te réveiller, quoi. Chaque... Je crois que c'est bon. Joël? Joël? Ils sont rajoutés une couche, elle est finie par terre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis-moi quoi faire. Hiver. Et en plus, il est blessé à la période la pire. Pour être blessé. De tous les temps. L'hiver. Ah. Pop. Un petit rapinou. On dirait une peluche. Ouais, ben ça va. Voilà. Tu t'en rappelais? Bah oui. Ah. Même si je m'en étais pas rappelé, c'était tellement évident. Moi je m'en rappelais pas. Ça durera pas très longtemps. Je me rappelais qu'elle devenait aveugle à force. Devant ce débrouille. Ça va, soit pas trop gourmand non plus. Je lui ferai peur. Et pour la première fois depuis le début, je crois. Ouais, ouais. On va jouer, Annie. Passez-vous. Qui a piqué son arc à Joël. Voilà. Et qui a un mode écoute aussi. Bouge pas. Et on a... Ouais, pas d'armes. Trop loin, tu peux arriver. Si tu y arrives. Je l'ai complètement oublié. Je sais pas ce que je te faisais, mais. Et je suis sûr que j'ai touché. Oh non, il n'y a pas le sang. Mais la flèche, elle y est pas. Donc je l'ai peut-être. Ah si. Putain, je l'ai raté. De pas grand chose, hein. Elle a tapé pas loin derrière. Ouais.
Il faut faire avec le petit point, non? Donc c'est que là, le petit point pour le voir sur du blanc. Non, mais sur le beige, il faut le voir. Ouais, mais pour savoir si je suis trop haut, trop bas. Là, tu l'as touché. Ouais, avec une flèche comme ça, dans à l'endroit où je te l'ai mis, tu serais pas parti en courant normalement, espèce de connasse. Pas morte, mais pas partie en courant, ouais. Pas fou. La meuf, elle parcourt des centaines de mètres comme ça. Non, c'est bon. Allez. Je crois que tu l'as vu. Non. Non ? Je suis pas sûr du tout, non. Ah. Tu me rappelles plus, tu fais des tours à la con. Non, faut que je le prolonge à un endroit et... Je crois qu'il faut que je l'emmène à un endroit et après ça va se passer une cinématique. Ah bah putain, il encaisse le connard, hein. Comment tu te rappelles de la route? Non, je vois, je suis les sabots en fait. Oui, je me rappelle, ça y est. Ah putain, oui, je me rappelle. Super. Tout va bien. Cet endroit n'est pas bon du tout. Oh. Bon. Et oui, je me rappelle. Qui est là? Montrez-vous. Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Bien. On pourrait peut-être... échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? Des armes? Des munitions? Des vêtements? Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. Tiens, viens avec ce que je veux. Le cerf est à vous. Quelqu'un d'autre se pointe. Il m'en plante une entre les deux yeux. C'est ça. C'est devenu... Le flacon de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. C'est moins fatigant pour le braquer. Ça risque d'être long. Ça... Ça t'embêterait quand ça fait du froid? Prenez-le avec vous. Ça fait de la rivière, non? Voilà. Tu
Tu sais, tu ne devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Une autre arme ? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Oh putain, vous m'avez pas recommencé une ou deux fois. Non, c'est pas là que j'ai recommencé. Pas là ? Parce qu'il y a du monde. Tu plaisantais pas. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Bon, bah, donne-moi un coup de main. Allez, allez. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, ça passe. À ta droite. Ça ouais, c'est pas cool. Même les claqueurs. On va pas te le rendre, ce fusil. Je crois que c'est le même que le nôtre, mais sauf que là, ils font exprès que c'est un OS parce que c'est... C'est un beaucoup. Peu importe. On est coincé ici. C'est lui qui me jette. T'as pas capté. Mais il y a des fois, tu te dis putain, c'est quoi tous ces... Attends, je j'adore comment ça applique du froid dans une pièce où il y a des fenêtres à tous les côtés. Bah si, ça fait un peu mal. Oh putain, oui, non, c'est après. C'est une putain de balle, de balle, de balle, de balle, de balle. Ok. Vous savez où vous allez ? J'ai jamais mis les pieds ici. Super. Belle trouvaille. Elle aussi, elle peut crafter ? Ah, elle peut faire tout, ça ce, tout ce qu'il faisait maintenant. Allez, fais-moi la courte échelle. Tiens, je vais devoir me retaper tout le tour. Allez, soulève-moi. T'es prête ? Allez. On va déjà mieux le fait qu'elle ait un couteau, elle. Ok, dépêche-toi. Et fais attention aux infectés. D'ailleurs, à la place d'avoir un surin, il pourrait nous filer un couteau direct. Hein. On va se faire un petit peu... Voilà, un kit de soin.
collecter mon Molotov. Des grenades. Un autre collecter mon Molotov. Voilà. C'est très bien contre des crackers. Des crackers de chez Benny Nuts. Benny Nuts. Comment lui par contre il en a rien fait à foutre d'elle et comment il est monté en premier en la laissant en bas quoi. Voilà. C'est là que j'ai vraiment pas aimé. Je crois. Ouais. Oui. Parce que voilà le monde. Alors je viens de voir qu'il y avait une tonne et demie de cocktail Molotov que j'avais pas. Enfin je me rappelais pas forcément avoir vu les premières fois. Savoir qu'ils arrivent de partout là. Tu vois un truc ? Ils vont vraiment arriver. Ça va arriver d'en face, de derrière, de la grande porte là. Ça va arriver de partout, c'est horrible. Ce moment est vraiment horrible. Faut pas fermer la porte. Trop bien ce truc. Faut pas jouer à la porte de mieux parce que je paniquerai moi. Je serai là, ah non, il est trop près. Je ne serai pas dans le jeu. Oh merde. Comment gaspiller une balle? D'un truc qui me reste. Il y a plein qui a lâché des balles. Ah si, je suis là. Oh. Oh ah, ah d'accord. Ça suffit plus pour le tuer. Ah. Non, elle l'avait pris dans la gueule. Ah je rage, commence, ça y est. C'est de toute façon je crois que c'est le pire moment. On est passé. Vite, tire! Oh putain! Oh claqueur qui t'a fait chier, peut-être qu'ils auraient dû le nom d'ennemi. Je sais pas, ça me paraissait tellement horrible ce monde. Ouais, surtout que j'étais dans le même niveau de difficulté. J'ai l'impression que c'était interminable la dernière fois. Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Ouais. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois...
Je pense que tout arrive pour une bonne raison. Pourquoi je me rappelle que le cerf a été bouffé ? C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Moi, je m'appelle dans le truc, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné... Ouais, voilà, je m'en rappelle bien. Fille. Reprends ton armée, tu vois. Tout arrive pour une raison. Allez, ne te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. Donc je me rappelais bien qu'il était méchant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci. Non, merci. Pas de pitié pour les... Sur le coup, j'ai eu l'impression que je m'étais trompée. C'est plus tard, mon cœur, ce que je te rappelle. Encore plus. Allez. Quoi, sur eux? Ouais. Tu te rappelles pas? Non, mais je me rappelais bien que c'était quelqu'un de pas vraiment... pas fréquentable, mais pour eux, en tout cas. D'accord. Je me rappelais qu'à un moment donné, il était pas si gentil que ça. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Bah, lapin, ça fait quand même 2-3 jours hein, si tu te rassures. Bah, lapin, ça va trouver un cerf quand même. C'est pas beau dans la section. Non, elle a recousu tout. Elle a dû réussir à les enfanter. Eh, n'empêche, elle est douée, hein, si elle arrive à recoudre les gens comme ça. En fait, elle a besoin de personne. Hein. Elle s'entraîne un peu au couteau et aux armes à feu, et après, elle va se cacher quelque part. Hein. Elle va dans des pays un peu plus chauds, un peu plus sur l'équateur, histoire d'avoir plus de nourriture toute l'année, et puis voilà. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font pareil. Et bon, il y a beaucoup moins de vivants, là-dedans. Tu vas t'en sortir. Fais clair le lapin. J'aime bien qu'ils fassent des ellipses comme ça dans le jeu, mais sans qu'on se sente perdu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors, on s'est pas fait bouffer, mais bon, en même temps, même si on s'était fait bouffer, ben, il y a la sauvegarde. Donc, en fait, on s'en tape. Mais bon, voilà, c'est la fin de cet épisode. Et puis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. Bye bye!